Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur ces deux moissonneuses-là qui sont sorties aujourd'hui. Les John Deere S680-690i. Et après, bon, il n'y a pas grand-chose, voilà, c'est des petites moissonneuses, pas beaucoup de capacité. Alors, on va voir ça ensemble. Une fois que vous les aurez téléchargées, elles sont ici. Voilà. Alors, celle-ci, vous avez de 14 100 litres à 17 620 litres. Après, vous pouvez mettre la trémie pliable. Alors là, vous êtes en capacité maxi. Et sinon, voilà, vous êtes soit à 14 100, soit à 17 620. Après, vous avez la configuration du moteur S680i de 2012 à 473 chevaux. Pareil, celle de l'année modèle 2015 en 473 chevaux. Après, en 2012, 599, voilà, 491 chevaux. Et au maxi, voilà, 528 chevaux. Vous avez 2012 et 2015. Après, vous avez le choix des pneus. Bon, Lizard, Continental, Michelin, Mitas. Après, voilà, vous avez plusieurs configurations de pneus. Voilà, comme là, c'est les pneus larges. Voilà, sinon, bah, vous avez les chenilles. Après, voilà, vous pouvez ajouter le nombre de 1 à 6. Ensuite, vous avez les signes d'avertissement. Voilà, plaçable à différents endroits. Sinon, vous avez le triangle à l'arrière. Voilà, etc. Vous avez plein de petites configurations. Ensuite, vous avez l'attelage arrière. Alors, soit standard au milieu, soit voilà, statique déporté un petit peu sur la gauche. Et là, c'est pareil. Ou vous en mettez pas. Voilà, c'est à vous de voir. Après la buse, vous avez plusieurs longueurs avec différents voilà, modèles pliables, etc. Voilà, vous avez plusieurs petites configurations. Vous avez l'axe arrière normal ou un peu plus large. Voilà, ça vous permettra de tourner un petit peu plus facilement. Après, vous avez le choix du chopper tall board. Donc voilà, soit en standard, soit tall board régulier à palette. Après, c'est selon vos goûts. Et ensuite, voilà la plaque. Et la deuxième, voilà la deuxième, c'est pareil, mais sauf qu'elle a un petit peu moins de capacité. Voilà, vous êtes à 320 chevaux minimum. Bon, la quantité, voilà, 10 600, soit 14 220. Après, 320 chevaux minimum, 373 maxi. Les pneus, c'est pareil. Voilà. Voilà, les nombres, c'est exactement pareil. Après, c'est exactement la même que la première,
Sauf que voilà, il y a quelques petites choses qui changent, surtout la capacité, quoi, c'est tout. Et la puissance moteur, voilà les deux choses qui changent. Donc voilà. Après, c'est vrai, voilà qu'elles sont sympas, elles sont maniables, elles sont imposantes. Bon, après, vous roulerez qu'à 32 km/h. Et l'autre, bah, c'est exactement la même. Voilà. Sauf que j'ai juste fait un petit modèle différent. Après, pour les, voilà, pour les petites exploitations, petites et moyennes exploitations, franchement, elle est pas mal. Voilà, elle est assez maniable. Les freins répondent bien aussi, donc voilà. C'est ce qu'on pouvait dire sur ces voilà, deux moissonneuses qui sont sorties aujourd'hui. En espérant que cette petite vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!